Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder la partie B de l'exercice 3 du bac S Bondy Chéri 2017. L'exercice ayant pour thème les fonctions. Voici l'énoncé. Donc on rappelle que le graphique nous donne donc la zone de creusement. Et f de x est égal à ln de moins 2x² plus 13,5 sur l'intervalle moins 2,5, 2,5. On admet que la courbe C est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées du repère. Question 1. La courbe C est-elle un arc de cercle de centre rond? Justifiez la réponse. Réponse 2. Justifiez que l'aire en mètres carrés de la zone de creusement est, donc A est égal à 8, l'intégrale entre 0 et 2,5 de f de x dx. Question 3, l'algorithme donné en annexe, l'algorithme qui est ici, donc vous pouvez mettre en pause la vidéo pour voir l'algorithme. Permet de calculer une valeur approchée par défaut de x est égal à l'intégrale de 0 de f de x dx noté a. On admet que a est inférieur ou égal à i est inférieur ou égal à a plus f de 0 moins f de 2,5 sur n fois 2,5. Question a, le tableau fourni en annexe, donc ce tableau ici. Donne différentes valeurs obtenues pour R et S lors de l'exécution de l'algorithme pour n est égal à 50. Complétez ce tableau en calculant les 6 valeurs en compte. Petit b, en déduire une valeur approchée au mètre carré près de l'aire de la zone de creusement. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, la courbe C est-elle un arc de cercle? La courbe C est-elle un arc de cercle? Eh bien, ici, on peut retracer la courbe. Ici, on avait moins 2,5. Cette courbe C, ici. Or, ici, on avait trouvé cette valeur ln de 13,5. Donc, ici, à O. Donc, on a moins 2,5, ln de 13,5. Or, ln de 13,5 est égal à ln de 13,5, c'était à peu près égal à 2,60. Or, 2,60 est différent de 2,5. Donc, C n'est pas un arc de cercle. Alors, deuxième question. Alors, l'aire, eh bien, c'est l'intégrale entre moins 2,5, 2,5, f de x, dx. Or, c'est l'intégrale entre 0 et demi de f de x dx. Ici, il y a deux fois. Or, bien entendu, l'unité d'air ici, c'est 2 mètres. Donc, 2 mètres fois 2 mètres, 4 mètres carrés. Donc ici, on a 2 fois 4, 0. 2,5. Donc ici, 8 fois 0, 2,5, f de x, dx. Donc on a bien l'aire est égal à 8 fois l'intégrale entre 0, 2,5, f de x, dx. Alors ici, on aura l'algorithme. Donc l'algorithme, c'est celui-là. Donc r va prendre la valeur 2,5 sur n fois f de 2,5 sur n fois k. Et ici, k égale à 1. Donc, 2,5 fois 2,5. Alors, 2,5 sur 50. 2,5 sur 50, c'est égal à 0,05. Donc ici, 0,05 fois f de 0,05. Donc ici, on va trouver 0,13,01. Donc 0,13,01. Alors, on aurait pu faire aussi un 0,26,0,76 moins 0,13,0,060.
Là, on doit trouver la même chose. Donc ici, on a 116, 116. Et ici, on va trouver donc fois 50. Donc ici, on va trouver 0. Et on va trouver donc 5,197,538. S va être égal à 5,197,538. Et bien entendu, alors ici, 0,390,144 plus 0,129,837, et là 0,51,51,9,1. Voilà les 6 valeurs qu'il fallait trouver pour compléter le tableau. Maintenant, en déduire une valeur approchée au mètre carré de la zone de creusement. On reprend 5,197,538, mais qu'on va multiplier par 8. On va multiplier par 8. Donc ça fait 5,197,538 fois 8. On va trouver 41,58. Comme c'est arrondi au mètre carré, eh bien ça va être 42 mètres carrés. Donc l'aire de creusement est à peu près égale à 42 mètres carrés. Bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.